Marine. Vous y êtes, mon brave, c'est pourquoi? C'est toi, Jules, c'est mon puits. Bien sûr que c'est moi, franchement, qui tu veux que ce soit, le diable? Alors toi, tu vas dire, oh, si tu reconnais pas ma douce voix, eh bien c'est que je t'ai pas encore assez engueulé. Les biographes, ils écrivent que les couillonnades. Commence pas en rouge, petit Jules. J'ai un téléphone à un coup de mistral, pourquoi j'ai une bonne nounou? J'ai une bonne nounou, et j'ai une bonne nouvelle à t'apprendre. Excuse-moi si je parpège un peu de la langue, mais je suis tout remué d'émotion. J'ai le cœur qui palpite à tout bout de joie, et j'ai même les doigts qui tremblent. Aïe, aïe, aïe. Catastrophe de catastrophe. Je me méfie comme de la peste des bonnes nouvelles venant d'un microbe planqué qui bosse dans les bureaux du grand patron. Mais qui grand-papa, qui grand-patron, il n'y a pas de patron ici, il n'y a que le bon Dieu. Et le bon Dieu, il est sympa, même si t'engueules un peu quand tu joues à la manille contre lui. Écoute, tu triches. T'as raison, mon collègue. Il est brave, le bon Dieu. Et puis comment tu veux que je dise le contraire, après sa merveilleuse reproduction grandeur nature du vieux port au paradis? Pétain de pétain, j'arrive toujours pas à y croire. C'est un fatigue, le grand-patron. Et alors, vieux crapule de bénitier, tu me l'as dit ta bonne nouvelle? Peut-être que tu as fait rencontrer Landolphe au bureau éternel. Celui-là, c'est le mari de l'Arlésienne. Dégueule encore vu, ni même aperçu. Ma foi, un mystère de plus, Landolphe. Rien de tout ça, Jules. Je suis tellement ému que si je ne me retenais pas, je chialerais comme un minot sur mes dossiers. La petite, Jules, la petite est en fait arrivée dans l'autre paradis. La petite? Qu'est petite? Lèche-botte à la botte des tout-puissants, même c'est pas. Ta petite, tout juste, Jules. Attention, pas ta vraie petite, pas Paulette, non, l'autre. Ta petite de cinématographe. C'est pas vrai. Dis, j'espère pour toi que tu me fais pas encore une farce. Tranche de faux gratte-papier daté, toujours pubère. Et que farce, je te répète que je la vois là, devant moi, en chair et en os. Enfin, je veux dire, tout en âme maintenant, pardi. Bonne mère qui êtes au ciel avec nous, que je suis content, raconte, grosse babouette enfarinée. Elle est comment? Toujours aussi jolie? Toujours aussi menue et émouvante? Ben, c'est-à-dire qu'elle a un peu vieilli depuis la dernière fois que je l'ai vue, en 1949, forcément. Oh, je me rappelle bien, c'était quelques semaines avant mon décès. Toi, tu es mort à 62 ans, hein? Oui, tu le sais toujours. Mais elle doit bien avoir plus de 80 ans. Si je compte bien. C'est toi qui vas devenir son petit ange. C'est rigolo, tu crois pas? Et malgré les rides du temps d'en bas, fois de m'écrire un repenti, je le rococo, je l'ai reconnu tout de suite. Coquine de sort, je la tremblote moi aussi, et c'est pas à cause de la colère pour une fois. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle fabrique en ce moment? Allez, où, boule les gants, raconte, nom de Dieu, non une pipe. Ah, tu sais, ici, l'administration céleste, c'est comme sur Terre, hein. Il y a un moulon de papier à remplir pour être en règle avec les voies du ciel. Au fond de pétanque, ça y est. Elle m'a vu. Oh, ma bonne mère. Elle m'a reconnu. Oh oui, elle m'a reconnu, de sûr. Avec une figure de vie rascasse comme la tienne, il faudrait le faire vraiment exprès pour pas te reconnaître.
Jules, elle a le même sourire qu'au bon vieux temps. Je sens que je vais défaillir. Si j'étais pas déjà mort, je me ferais un bon vissant de diable pour mon pauvre cœur. Oh, espèce de carnaval à défaillir. Je t'ordonne sur le champ de défaillir un autre jour. Souple. Je me languis de voir sa tête quand elle va revoir le bar et toute la fine équipe de l'époque. Monsieur, elle doit être un peu fatiguée et surtout déboussolée avec tous ces événements. Au fait, tu as presque fini ta journée, non? Oui, dans 10 minutes, je vais les voir. Bon, je compte sur toi pour nous la ramener ici le plus vite possible. Prends le nuage de 18h15, tu arriveras juste pour l'apéritif. C'est toi qui payes? Dis, tu me parles mal à présent? Pour demain, je merde. Ah, sacré Jules, va. Paradis ou pas paradis, tu changeras jamais. D'ailleurs, de toute façon, personne ne veut que tu changes. Bon, écoute, j'arrête la coco et j'arrête la communication. Pourquoi le sous-ange, un chef de bureau, il me regarde comme marchent les favouilles de travers. T'as fait une belle, toi, de favouille. Allez, Adésia, bouillon de la lune. Jules, le téléphone, tu devrais le débrancher pendant qu'on joue aux cartes. Attends, pour une fois que j'ai du jeu, moi je sais plus où j'en suis. T'es. Bon alors, c'est à qui de parler là? C'est à moi, mais c'est pour autre chose. Messieurs, Mopi vient de m'apprendre une sacrée bonne nouvelle. Enfin, si j'ose dire. Papin revient à l'OM. Milan en a assez de lui. Milan assez. C'est rigolo ce jeu de mots. On dirait du Coluche. De Coluche, t'as que la banane, vos gros de baffre. Non, sois un peu sérieux, Fernand. Voler, c'est autre chose que ce fadoli de ch'timi à roulette. Mais Papin, c'est de la puissante vapeur pour le moteur d'une équipe telle que l'OM. Enfin. Avec cette vapeur-là, Fernand, ton pitalugue, il aurait fendu les flots sans se retourner pour montrer sa quille. Qu'il a joli, d'ailleurs. Bien parlé, matelot. Monsieur Charpin essaye de faire de l'humour maintenant. Monsieur Charpin essaye de nous faire croire qu'il s'y connaît en football. Monsieur Charpin te dit zut. Alors tu nous l'as dit ta bonne nouvelle là, au lieu de te foutre dans ma poire. Tiens, monsieur Charpin est bien poli aujourd'hui. Monsieur Charpin me tire au souci. Puisque monsieur Rému me cherche, monsieur Charpin te dit merde. Et toc. Ah, on comprend mieux à présent. C'est net et limpide comme un pastaga sans eau. Oh, mon cher Jules, n'oublie pas que la marine française te dit merde également. Eh, le capitaine du Firibois en déroute qui veut faire aussi de l'esprit maintenant. Mais pour lui, j'ai peur que ça soit de l'esprit de sel dans le cigare. Mon pauvre vieux Paul, en plus que t'es gros et bête, tu es toujours aussi cocu qu'à l'époque. Tu as vraiment tout pour plaire. Si je ne m'abuse, vous parliez il y a un instant d'une sacrée bonne nouvelle. Et si vous nous la disiez maintenant, poil aux dents. Tiens, le collègue Mathieu se croit encore sur le tournage de Manon des Sources. comme j'aurais aimé le tourner, ce film. Hélas, j'étais mort et enterré depuis bien longtemps. Gros poil aux dents. T'es pas le seul, pas le seul. Mais revenons à nos moutons. Le premier qui dit poil au menton paye la prochaine tournée. Je voulais donc vous dire que la petite est arrivée. Mais quelle petite, mon bon? La petite Vérole, pardi. Voyons, monsieur Dulac, un peu de retenue, que diable. De toute façon, vous savez très bien qu'en paradis, les âmes n'attrapent pas de maladies, même honteuses. Seule la bonté est contagieuse. Dieu merci. C'est beau ce que vous dites, mon cher Robert. Non, la petite Vérole, c'est pour rire. Hein. C'est de l'humour. L'ami Dulac est un petit farceur, monsieur Vatier. Dulac, même s'il a été marine d'eau douce, n'a pas la prestance ni la noblesse de Sir Lancelot Dulac. Ah, celle-là de plaisanterie, elle est bonne. Et pas du tout grivoise pour un rond, pour le bidon. Elle est peut-être bien bonne, mais moi, j'ai rien pigé. Poil au nez. Bon, vous parliez de l'arrivée de la petite. Et même que j'ai demandé de quelle petite il s'agissait. Ah, c'est vrai, monsieur, j'avais complètement oublié. La petite est arrivée. Ou il fait exprès pour jouer avec nos nerfs, ou il est complètement ensuqué.
Alors tu nous le dis, oui, qui est arrivé aujourd'hui? Le paradis, ça lui esquiche le cervelier. Remarquez en bas chez les vivants, c'était Kif-Kif Bourrico, hein. Et j'irai pas jusqu'à dire repoil au dos. Au fait, messieurs, il y a longtemps que je vois plus Monsieur Freinet au bar. Vous avez de ses nouvelles? J'espère qu'il n'est pas souffrant au moins. T'inquiète pas pour lui, ouais. Il doit être encore en balade sur le port comme à son habitude. Depuis son rôle dans Marius, l'attrait du grand large et l'amour des bateaux ne l'ont jamais quitté. Il ne parle plus de la belle Malaisie maintenant. Il rêve du voilier de Bernard Tapie. Je me demande même si les cacarinettes lui ont pas bouffé les cervelles. Il est fada, ce stade des aciers, je l'ai toujours dit. Jules, pour la 100e fois, depuis un bon quart d'heure, je te demande de nous dire le nom de la petite qui est arrivée aujourd'hui. Je commence à perdre patience, hein. Oh, collègue, vous n'êtes pas le bâtir. Je voulais simplement que M. Freinet soit là pour lui apprendre que sa femme nous a rejoints. Eh bien, tant pis pour lui. Yvonne Printemps? Mais ça fait au moins 10 ans qu'elle est parmi nous. Je parle pas de sa vraie femme. Je parle de sa femme, le cinématographe. Oran. La petite Fanny, si vous préférez. Oh, coquin de sort. Oran est là? Mangez bien. Oui, les gosses, toti là. Je suis là, capitaine. Fais monter la vapeur, on va la chercher avec le fer et bois. Oh, t'affole pas, flibustier. Poppy nous la ramène après le travail. La nistonne du bon vieux temps. Je n'en reviens pas. Je suis content comme un minot le matin de Noël. Mais c'est un peu ma femme de cinéma, puisque je l'épouse dans Fanny. Je sens que je vais rouvrir la voilerie dans pas longtemps. Que c'est chouette d'être mort, les enfants. Jules, téléphone vite à Aïda Roufle. Malgré son poids, elle va sauter de joie. Dis-lui aussi d'apporter un cajou de coquillage frais pour refaire son éventaire. Et si on demandait à Alexandre Corda de réaliser la suite de Marius quelques décennies plus tard? T'es madu ou quoi? Je ne veux plus entendre parler de ce tartare d'Olivier d'Anoblie par la reine d'Angleterre. Et que dirait Marcel alors? Et où il est encore passé celui-là? C'est pourtant l'heure de l'apéritif. Depuis 20 ans qu'il nous a rejoints, il est toujours en balade dans les nuages. Pour moi, il doit encore chercher la solution au problème du mouvement perpétuel. Un de ces jours, à force de réfléchir, il va avoir la tête plus grosse que les fesses des anges au mur des églises. Ben, quand on parle du loup, Marcel, mon gars, il vient t'asseoir avec nous, hein. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Pétain, c'est vrai que la moustache te rajeunit. On dirait Rudolf Valentino, ou presque. Au fait, la petite est arrivée en fin d'après-midi. Quelle petite, Jules? Ah, qui m'aille, ça recommence à la romance. Jules, sois brave, dis-le tout de suite, sinon demain on est encore là. Oh, escargasseur de Pitaluc, tu permets que je soigne mes effets? Oh, il n'y a pas que tes effets qu'il faudrait faire soigner, il y a aussi ton caractère, hein. Tu sais ce qui te dit mon caractère? Quand on ne sait toujours pas si l'adversaire en coupe à cœur, eh bien on va pêcher les gobies dans le vieux port. Et surtout, on la met en veilleuse. Jules, Monsieur Charpin a raison. Vous devriez annoncer la bonne nouvelle à Monsieur Pagnol, sans trop tarder. J'arrive, Marcel. Mais alors tiens-toi bien, hein. Fanny est revenue à la maison pour l'éternité. Ah, j'y crois pas. C'est encore une blague douteuse. Maître, vous savez mieux que personne qu'un Provençal ne ment pas. Il exagère, tout au plus. Jules, sors le pastis, là, c'est ma tournée. Et ne change pas d'avis, surtout. Bon, mes chers amis, puisque nous sommes enfin tous réunis, je vous annonce que dès demain, nous tournerons à la suite de la trilogie. Le scénario est déjà tout prêt, le voici. Oh, bravo, c'est formidable. C'est formidable. J'y pense depuis 20 ans. J'en ai parlé maintes fois au bon Dieu, il est d'accord pour lui rendre mal la fille. En échange, et pour lui faire plaisir, j'ai rectifié quelques passages un tantinet paillé. Et puis, après tout ce qu'il a fait pour nous au paradis, je propose qu'on aille de temps en temps à la messe le dimanche. D'accord? D'accord. D'accord. Et maintenant, sort un pastis. Et puis, voir la nouvelle santé de notre petite famille. Ah, ouais. Tu vois, Jules, le cinéma est immortel, comme les académiciens. Fan de Chichour,
Chaque fois que tu parles ou que tu écris, c'est beau comme la vie. Tiens, Marcel, il faut que je t'embrasse, mon béo. Monsieur Pagnol, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh, ça y est, j'ai compris tes cœurs, hein. Alors, monsieur Escartefigue vient de nous montrer toute l'étendue de son intelligence encore une fois. Ouais, mais toi, t'en pas chercher la porte. Mais voilà, j'ai cherché la pastille. Moi, je vais payer les garçons. Ah, il paye les garçons. Mais alors, on pourra payer l'eau à monsieur Vatier. Parce que la lyonnaise a des os. Tu vas pas te réunir, non, payer les garçons, toi. T'as vu ce qu'il dit, lui? Non, non, non. Paye ce qu'on paye. Non, non, non.